Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous prenons la Bible. Amen. Nous prenons la parole de Dieu. Le thème de mon message, je vais donner le quatre types de personnes dans nos vies. Ou quatre types de collaborateurs, ou quatre types de personnes dans l'église. Quatre types de personnes dans l'église. Nous allons essayer de voir par la grâce de Dieu. Quatre types de personnes, voilà, dans l'église. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. On dit amen. Amen. Alléluia. Il faudrait comprendre que, d'abord, il faut comprendre que l'église veut dire quoi? L'église veut dire l'ensemble des croyants, tous ceux qui croient en Dieu, du moins tous ceux qui croient en Jésus-Christ, on appelle église. Quand ils se mettent ensemble, on appelle église. Le bâtiment n'est pas une église, ça peut être une chapelle, un endroit où on se rassemble pour venir adorer le Seigneur. Amen. Amen. Mais avant de se rassembler quelque part, on venait de quelque part. Hein? Chacun d'entre nous était quelque part. C'est pour ça que, quand vous comprenez la parole de Dieu, nous allons dans Matthieu, vous allez comprendre bien. Nous partons dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre. Matthieu 13:57-50. On suit un peu. Donnez l'occasion au Saint-Esprit de nous prêcher. 47 plutôt. Non. Matthieu chapitre 13, le verset 47 à 50. Est-ce qu'on écoute un peu? Matthieu, voilà, c'est bon. Merci Seigneur. Matthieu, chapitre 13, verset 47 à 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Il dit, regardez, Jésus fait une parabole pour expliquer un peu. C'est l'image de l'église. Ça dit que le royaume des cieux, un royaume que Dieu est en train de bâtir, il donne une parabole. Il dit c'est comme un filet jeté dans la mer. Un filet jeté dans la mer et ramasse toutes sortes d'espèces de poissons. Comprenez? Ok. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Ok. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Très bien. Il fait quoi? Il met ce qui est bon. C'est pour dire, dans l'église que vous voyez, on peut avoir toutes sortes de personnes. Vous comprenez? Toutes sortes de personnes. C'est pour ça que Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lus. Vous comprenez? Il y a peu de lus. D'autres personnes disent non, j'ai été frustré à l'église, les gens m'ont frustré. Mais le monde frustre l'église, c'est ce qu'il dit aux gens. Amen. Dans l'église, il y a toutes sortes de personnes. Donc, celui qui vient à l'église qui ne peut pas être transformé, c'est un problème. Donc, Jésus dit, on met sur la rive et puis on commence à sélectionner ce qui est bon qu'on sélectionne. Généralement, c'est ce qui est bon qui intéresse le Seigneur. Ce n'est pas la multitude, ce n'est pas le nombre qu'on voit, c'est ce qui est bon, la qualité de chacun d'entre vous qui va intéresser le Seigneur. Et il jette ce qui est mauvais. Il dit quoi? Il rejette ce qui est mauvais. Dieu reprend ce qui est mauvais, il rejette ça. Il jette. Est-ce qu'on a bien saisi? Très bien. Il en sera de même à la fin du monde. Amen. Donc c'est comme ça une église. Amen. L'église du Seigneur, c'est un peu ça, c'est un peu cette image. Amen. Alléluia. D'abord, Dieu choisit quelqu'un, n'est-ce pas, à qui il donne une onction, à qui la personne a l'appel et Dieu l'établit sur une église. N'est-ce pas? Et dans cette église, il peut y avoir toutes sortes de personnes. J'ai toujours dit aux gens, vous et moi, on a une histoire. Amen. Amen. Je ne suis pas allé faire une campagne pour dire, venez. Vous avez vu l'onction que c'est la vie du prophète. J'étais à Divo. Je n'étais même pas à Bidjan. J'étais quelque part là-bas. Et vous allez constater, non, l'homme de Dieu, il est loin, l'homme de Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit, non, c'est pas un homme. Moi, ça ne me dit rien.
Quand quelqu'un vient dire, ah non, tu n'es pas un homme de... Ça me dit absolument rien parce que ce n'est pas lui qui m'a appelé. Je suis convaincu de mon appel. Donc, quelqu'un ne peut pas venir m'influencer une parole et dire, ah non, je ne reconnais pas. Ça, ça n'engage que toi. Vous comprenez? Donc, c'est parti de quelque part. Donc, de vous à moi, il y a une alliance. Alors, c'est cette grâce de Dieu qui vous conduit dans, n'est-ce pas, dans le ministère d'un homme de Dieu. Alors, si vous êtes conduit dans le ministère d'un homme de Dieu, Dieu veut aussi vous utiliser pour son œuvre. Alors, pour aller plus loin, il faut qu'il y ait une église. Et dans cette église, que l'homme de Dieu soit, n'est-ce pas, capable de vous donner de la nourriture. Donc, parmi vous, nous allons voir quatre types de personnages qu'on voit dans l'église. Quatre types. Nous allons essayer de voir. Nous prenons dans le livre, prenons dans la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 14 à 4, le verset 10 à 14. En ce qui me suit un peu. Laissez-moi enseigner aujourd'hui, nous sommes à quelque part de la fin d'année, nous sommes en train de responsabiliser les gens, nous sommes en train de nommer les gens, nous allons, n'est-ce pas, au travail de la parole de Dieu, remarquer certaines choses, et ça peut vraiment aider beaucoup de gens. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 10 à 14. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10 à 14. Car Démas m'a abandonné. Il dit car Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Il est parti pour Thessalonique. Il m'a abandonné. Celui qui parlait là, c'est l'apôtre Paul. Il m'a abandonné. Démas m'a abandonné pour les choses, pour le matériel, pour les choses du monde. Il m'a abandonné. Il m'a laissé carrément. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Il dit, mais Luc seul est avec moi. On a parlé un peu de Luc, hein. On a dit Luc c'était un médecin, n'est-ce pas? Il dit, Luc est avec moi. Okay. Prends Marc et amène-le avec toi. Il dit, prends Marc, amène-le avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. Amen. Il dit, il m'est utile pour le ministère. Pour le service. Ministère, c'est le service. Le service qu'ils sont en train d'exercer là, Marc m'est utile, il vient avec lui. L'apôtre Paul s'adressait à Timothée, son fils, il dit, viens avec lui. Alors, amen, parce qu'il est utile pour le ministère. Amen. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Mm-hmm. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpus, mm-hmm, et les livres, surtout les parchemins. Mm-hmm. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Il dit, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Amen. Le Seigneur lui rendra selon... Le Seigneur lui rendra selon... Écoutons très bien la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, écoute la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, écoute la parole de Dieu. Amen. Voici l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, qui est en train de parler à Timothée, son fils. Alléluia. Et comme nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 10 à 14, nous comprenons les quatre types de personnes dans nos vies, qui peuvent être dans nos vies et qui peuvent être aussi dans la vie de l'Église. Regarde, la Bible dit, on nous parle, il dit, Damas m'a abandonné. Voici un type de personnes dans une Église. Voici un type de personnes dans la vie des gens. Il dit, Damas. Vous voyez, généralement, il y a des gens qui viennent dans l'église et leur préoccupation, c'est ce qu'ils veulent. C'est tout. Ils sont pas... Et ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils veulent que Dieu leur donne la guérison. Ils veulent se marier, c'est bon. Ils veulent, n'est-ce pas, avoir une restauration de la part de Dieu. Ils veulent quelque chose de la part de Dieu. Et quand ils seront à sa table, vous voyez les personnes abandonnent le Seigneur. Ou bien, du moins, dans l'église, n'est-ce pas? Vous voyez ces gens, des personnes qui viennent au départ, qui sont bien, qui peuvent même t'appeler papa, maman, spirituel, mon frère en Christ. Mais les personnes n'ont pas le sens de la loyauté. Ce genre de Damas-là, eux, quand il y a un problème, ils fuient. Ils ne t'ont pas abandonné. C'est comme dans ta vie. Il y a des Damas. Eux, quand il y a problème, eux, ils fuient. Ils n'ont pas la fidélité en eux. Ils n'ont pas la loyauté en eux. Pour eux, il ne faut pas qu'il y ait un problème. L'apôtre Paul parlait, il avait vu ça. Il dit, Damas m'a abandonné pour les choses du monde, pour les choses du monde. Or, quand il dit abandonné, ça veut dire qu'il était avec lui. Donc, dans l'église, on peut avoir des gens pensant que ce sont nos enfants spirituels, mais qui ont un autre visage.
Quand il voit l'épreuve, c'est dans l'épreuve qu'on découvre le véritable avant. Or, ce Damas-là, il était d'abord, il travaillait avec l'apôtre Paul, un grand homme de Dieu qui était puissamment utilisé par Dieu. Mais arrivé à un moment donné, il était en prison quand il l'écrivait. Damas l'a abandonné. Il a vécu des difficultés, Damas l'a abandonné. Il a fui. Or, il était reconnu comme serviteur de Dieu parce qu'il travaillait auprès de, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu. Or, il y a des gens qui viennent dans l'église, qui s'infient dans l'église, mais qui ne sont pas des véritables enfants de Dieu. C'est pour ça que tout le monde, Dieu nous ouvre les yeux. On ne nomme pas quelqu'un par affinité. Ah non, parce qu'il a longtemps qu'il est avec moi. Je suis désolé. On ne nomme pas quelqu'un. Sinon, Jésus allait prendre tous les membres de sa famille et allait les placer dans le ministère. On ne nomme pas quelqu'un parce qu'il a affinité, il est ami ou même membre. Oh non. On nomme une personne qu'on ressent que Dieu nous convainc que cette personne doit être et qu'elle mérite cette place. Amen. On ne marche pas avec le prophète parce que, non, quand je serai le prophète, quand il voit l'église, il va me nommer. C'est une erreur très grave. Non, ce n'est pas un parti politique. C'est une œuvre de Dieu. Or, ces gens de personnes, ils viennent pour un besoin. Peut-être que le prophète est trop connu, ça peut me faire des relations. Je peux bénéficier des relations du prophète. Vous voyez, ses intentions ne sont pas pures. Il y a des gens qui viennent à l'église, eux, tout le... Et malheureusement, ces personnes, elles sont beaucoup ingrates. Tu vas beau faire pour eux, elles ne vont jamais reconnaître. Elles ne vont jamais reconnaître. Tu vas pas prier pour eux. Comment des fois on a prié beaucoup pour des personnes qu'aujourd'hui ils ne reconnaissent pas? On a prié beaucoup, c'est les Damas. Ils sont toujours là pour fuir. Et ils t'ont abandonné. Il dit, Damas m'a abandonné. Donc il peut arriver qu'à un moment donné, quelqu'un décide de t'abandonner. Alors si quelqu'un décide de t'abandonner, ne le coupe plus après lui. Amen. Frère, si quelqu'un décide de t'abandonner, ne coupe pas après lui. On ne coupe pas après Damas. Damas. Si tu cours après Damas, que tu contrains Damas à revenir, il va gâcher. Amen. Il va te tuer. Donc si quelqu'un décide de partir, laisse-lui partir. On ne négocie plus avec Damas. Vous allez constater qu'il y a des gens qui sont Damas, ils étaient là pour quelque chose. Tu as des difficultés aujourd'hui, ils vont partir. Laisse-le partir. Non, c'est-à-dire, sa mission est terminée. Ta destinée n'est pas liée à Damas. Ta destinée n'est pas liée à Damas. Il y a des gens qui vont obligatoirement partir de ta vie. Tu dois sortir de ta vie. C'est comme ça. Pour qu'il y ait une vraie chose rentre dans ta vie, il faut que d'autres personnes qui sont plus qui partent. Je sais que dans l'église de Dieu, quand une église commence à se bâtir, ceux qui veulent partir, laissez-les partir. Ne les poursuivez pas. Ne les suivez pas. C'est leur décision à eux. Parce que Dieu trouve qu'il ne peut plus faire son affaire dans cette église. Je sais que dans un ministère, ne courez pas après les gens. C'est une erreur très grave. Chacun a sa propre conviction. Et le salut est extérieur. Celui qui veut partir, qu'il parte. Si vous le poursuivez, il viendra gâter. Il dit que Damas a parti. Il m'a abandonné. Mais il n'a pas envoyé Timothée dire à Damas de revenir. Pourquoi il est parti? Il a laissé partir. Donc dans l'église, il peut avoir que les gens viennent, qu'ils partent. Ils ne donnent pas de raison. Laissez-les partir. Amen, papa. Amen, papa. Laissez-les partir. Amen. C'est la décision. Frère, ta destinée n'est pas liée à quelqu'un. Amen. C'est si Dieu t'abandonne que tu pourras pleurer. Un homme t'abandonne, c'est l'exaucement de ta prière. Si quelqu'un t'abandonne, c'est l'exaucement de ta prière. Il décide de partir, tu ne savais pas ce qu'il faisait dans le secret. Il était là pour une usage, il a compris que sa mission ne pouvait pas te détruire. Il faut qu'il parte. C'est pour cela que frère, quand quelqu'un dit au revoir, dis-lui au revoir. Bye bye. Après, à demain. J'ai la douleur de dire, amen, oh, on s'est retrouvé demain, oh. Amen. Parce que ta destinée n'est pas liée à lui. Pourquoi tu veux? Si ta destinée est liée à quelqu'un. Lui est quoi? Il a laissé les parties. Au revoir. Quelqu'un qui est là pour ta destinée, il sera toujours là. Et mon ami, ce qui le caractérise, c'est la loyauté et la fidélité. Si Damas s'en va, c'est qu'il
qui était un ennemi déguisé. C'était pas un vrai ami. Il était là, mais il n'était pas de tout cœur avec toi. Donc c'était son temps de partir. Parce qu'il y a des périodes où Dieu, avant de te bénir, il va balayer. Il va nettoyer. Quand tu vas aller faire une rizière, tu nettoies d'abord le champ. Avant de planter la graine. C'est comme ça. Quand Dieu va vouloir vous bénir, il y a des amis, soi-disant amis, qui vont partir. Il y a des soi-disant enfants spirituels qui vont partir. C'est pas un péché. C'est pas une malédiction. C'est le plan de Dieu. Amen. Deux personnes sont en train d'en avoir. Jésus et Caleb. Pourquoi Dieu n'a pas préservé tout ce peuple? Dieu, c'est la qualité, la besoin. C'est pas la quantité qui intéresse. C'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est la qualité qui intéresse. La qualité. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont avec vous. Or, ils ne sont pas avec vous. Les gens qui sont avec vous, ils seront toujours là, malgré ce qu'on dira de vous. Malgré tout, ils ont une mission, ils sont là. Quel que soit le truc, ils seront toujours là. Amen. C'est ça que Timothée, Paul dit. Il dit quoi? Il dit lui, mais restez. Regardez, lui, mais restez. Oh, quand vous regardez lui, c'est un médecin. C'est-à-dire quelqu'un qui soigne. Ce genre de lui, là, quel que soit le problème, c'est celui qui vient toujours dire, ah, ça va, ne te plains pas, moi je suis là, tu peux compter sur moi. C'est le genre de lui, là. C'est des gens de personnes dont on a souvent besoin dans notre vie. Vous allez voir que quels que soient les problèmes, ils vont réagir. Ils vont se mettre dans le but de dire, mais moi je suis avec toi. Hein. Tout ce qui se passe là, je suis avec toi. Et tu vas voir que la personne, chaque fois, elle cherche à avoir des nouvelles, elle cherche à t'aider. Lui, il dit, mais lui, mais restez. Il dit, lui, mais restez. Il y a des gens qui vont toujours rester. Parce qu'ils ont eu la fidélité et la loyauté. Ce qui les a poussés à venir te voir, c'est quelque chose parce qu'ils t'ont aimé. Ils approuvent ce que tu fais. Donc ils sont toujours prêts à t'aider, à te pousser, allez. Ils ne sont pas comme Damas. Ils sont là pour un intérêt personnel. Ils viennent pour manger, ou viennent pour quelque chose. Et quand ils ne trouvent pas, ou bien peut-être ils ont récupéré ce qu'ils voulaient, ils sont. Pour qui je n'ai pas prié. Délivrance de qui je n'ai pas fait. Chasser des démons de qui je n'ai pas fait. Mais je ne compte pas sur ça. Quelqu'un objectif, il sait quoi. Amen. Et les gens qui mangent avec eux, des mecs qui insultent. C'est comme ça. Partie de ta vie, tu vois qu'il a vraiment une froid, tu salues la personne. Mais c'est un sorcier déguisé, t'es là. C'est un sorcier déguisé. Comment quelqu'un qui vient, qui mange avec, qui parle avec toi, mais et puis la personne, n'est-ce pas, elle n'est pas sécée après toi. Et la personne, elle est froide. Pour vous dire, le ministère n'est pas lié à quelqu'un. Le ministère est rattaché à Dieu. Seul à Dieu. Si tu s'en vas, celui qui est vivant va rester. Il dit, lui est resté. On a besoin de lui. Les gens sincères qui restent dans le ministère. Il dit, lui, mais restez. Il y a des gens qui sont là. Quel que soit le truc, eux, ils sont là. Ils sont toujours prêts. Ils sont là. Eux, ils prient pour toi. C'est les gens qui viennent pour quelque chose dans ta vie. C'est les gens, tu vas voir, qui vont dans le commérage. Parce qu'ils ont un intérêt. Et bien, toi, tu l'intéresses pas. C'est ce qui est à côté là qui les intéresse. Et ils sont toujours là. Et ces gens de personnes sont toujours amis avec tes détracteurs. Ces gens d'amis là, c'est eux toujours qui parlent de toi. Qui parlent de toi comme s'ils étaient propres, comme s'ils étaient bien. Comme si j'étais bien. Ils disent avec toi merci, non, et puis demain, c'est eux qui parlent mal. Ils sont toujours prêts à partir. Et eux, ils veulent aussi drainer les gens dans cette rébellion. Généralement, c'est ces gens de personnes là qui créent les rébellions dans l'église. Donc, vous n'êtes pas que les choses arrivent. Dieu déjà les annule du ministère, qu'on appelle des masses. Amen. Il les chasse. C'est comme ça dans ta vie. Les gens qui ne seront pas utiles, Dieu va les chasser. Amen. N'êtes pas dans n'importe qui de votre vie. J'ai compris que c'est nous-mêmes qui créons les problèmes. Souvent, on couvrirait les gens. Non, c'est-à-dire par sentiment. Parce qu'un jour, m'a aidé. Mais l'aide qu'il a été appelé, c'est peut-être quelque chose. Tu fais pour juste entrer dans toute ta vie. Il y a des gens qui viennent, ils viennent doucement pour s'introduire dans ta vie. Ils sont comme des puces, des punaises, pour sucer quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient de manger, pas de temps. C'est pas comme ça fait. Les punaises, c'est pas comme ça fait. Quand ça mange beurre, ça pique beurre, jusqu'à ce qu'il est rassasié pour du temps. Il a pris ce qu'il voulait. Non, c'est comme ça. Les gens qui sont en plus utiles, ils vont partir. C'est fini leur utilité. Il y a des gens qu'il ne faut pas poursuivre. C'est fini pour eux, frère. Si tu le poursuis, tu le ramènes, il va te détruire. Quelqu'un qui est sincère ne quittera pas ta vie. Alors, Paul s'adresse à Timothée pour lui, il est parti, mais il n'a pas dit,
Il est parti pour les choses. Il n'a pas dit à Timothée, va le chercher. Il est parti, laisse-le partir, frère. S'il s'en va, laisse-le partir. Non, c'est-à-dire que moi-même, quand il était là, mais il ne disait pas dans quel esprit il était là après le tout. Tu ne sais pas ce qu'il complotait dans ton dos. Quand Dieu est éteint, il va commencer à les détruire doucement. Amen. D'aller là, ne cherchez même pas les, ne cherchez même pas les dessus. Amen. Amen. C'est quand Dieu t'abandonne, frère. Là, c'est grave. Dans une église, c'est comme ça. Il y a des types de personnes, des masses, et ils sont là. Tu vas le voir, ils vont toujours partir. Quand il y a un mouvement, ils n'ont pas enlevé la loyauté, la fidélité, ça l'intéresse. Bon, avant, mais ils savaient, ah, ils sont toujours prêts à partir. Oh, il dit, Luc est resté. Luc, lui, il reste. Lui, il est là. Lui, il est fidèle, il est là. Et regarde, il t'appelle. Il dit, ça va, il te souvient. Ça, c'est Luc, le médecin. Luc, c'est un médecin. Cherchez tous les paracétamols. Donc, pour aller vous dire, je suis là. Doucement, je te soutiens. La porte pour la condition. Je te soutiens dans ce que tu es en train de faire. Mais il dit, Marc. Il y a déjà des personnes. La troisième personne, c'est Marc. Il dit, va chercher Marc parce que Marc m'est utile pour l'œuvre. Ça veut dire que lui, il était là. Mais il n'a pas eu trop de son utilité. Il était resté, il est fidèle. Mais les gens de Marc, eux, ils se sentent utiles à l'œuvre. Ça veut dire quand il vient dans le ministère, tu n'as pas besoin de lui, il faut payer la maison. Il paye. Tu n'as pas besoin de lui dire, il faut payer une chaise, il paye. Tu n'as pas besoin de lui dire, fais quoi que ce soit. Lui-même, il se sent dans la chose. Il dit, Marc, mais utile. Or, ce que Dieu aimerait, c'est l'utilité dans votre vie. Il y avait dans la vie de Naomi, il y avait Orpa et Ruth. Orpa est parti, mais Ruth est resté dans la vie de Naomi. Il y a des personnes qui resteront, n'est-ce pas, parce qu'elles ne sont pas utiles à ta vie. Elles sont là pour une destruction dans ta vie. Elles sont là pour une destruction. Alors, elles vont partir. Or, Marc, ce genre de Marc, c'est des gens qui sont utiles. Ils trouvent toujours la utilité. C'est des gens qui cherchent toujours la vie. Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose dans la maison de Dieu? Est-ce que je ne peux pas? Ils trouvent son utilité. Ils se trouvent dans la chose. Ils disent, Marc, va chercher Marc. Marc m'est utile. On le nomme la personne qui est utile. Pas la personne qui vient comme lui. Lui, c'est vrai, il est fidèle. Lui, c'est vrai qu'il est là. Mais son utilité, c'est de faire quoi? C'est la fidélité. Mais on veut des gens utiles pour l'œuvre de Dieu. Qui peuvent faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors que tu es dans la maison de Dieu, deviens comme Marc. Sois utile pour l'œuvre de Dieu. Ne te mets pas en dehors de l'œuvre de Dieu. Ne te dis pas que c'est monsieur Aïe. Moi, je viens sur moi, je suis fidèle. Hein. Moi, non, rien ne peut pas m'arriver dans cette église. Hein. Mais je suis là, hein. Mais rien qui fait rien. C'est pas aussi bon. Amen. Amen. Non, hein, moi. Tu t'es porté sur moi. Non, moi, non. De toute façon, j'étais. C'est vrai. Mais où est ton utilité? Tu n'apportes rien. Tu ne fais même pas avancer l'œuvre de Dieu. Tu es là, c'est vrai. Quand des gens te voient, tu es fidèle, tu es toujours utile, tu es toujours fidèle, mais tu n'es pas utile. Parce que tu ne fais pas avancer l'œuvre de Dieu. Or, il dit, va me chercher Marc parce qu'il m'est utile. Quelle est ton utilité dans l'œuvre de Dieu? C'est le point d'interrogation. Les gens se plaignent, ils ne sont pas utiles. Dieu aimerait que tu sois utile. Quand est-ce que tu deviendras un jour utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Sois un Marc dans une église. Sois le Marc dans la vie de ton frère et de ta soeur. Et les gens qui viennent sont plus utiles dans votre vie. Ils sont là. Quand toi tu regardes, tu fais le barbou, tu réfléchis, ils n'ont rien fait. Il mange moi ton agent. Il est spécialisé dans la frère pour le corps. Sa frère, son maître d'or. C'est-à-dire là-bas, ils ont fait ça. Oh, il vient bourrer ton affaire. C'est lui son maître d'affaire. Affaire pour le corps. C'est comme celui qui alimentait le site. Il ne fait rien de toi. Oh, frère, dans les relations, c'est toujours par intérêt. Faut pas se blaguer. Non, moi je l'aime sûrement. Mais qu'est-ce qu'il t'apporte? Si Dieu nous sauve, c'est pour le servir. C'est pour le servir. Dieu ne te sauve pas comme ça. Il te sauve pour le servir. Si Dieu ne trouve pas son intérêt en toi, il ne te bénit pas. Il va te bénir d'aller voir aussi, c'est ça? Pourquoi je vais te bénir? Il va te bénir d'aller chercher femme des gens. Seigneur, bénis-moi. Oui, Seigneur, Seigneur, depuis tu ne m'as pas pour bénir. Mais il te bénit pour quoi? Il sent que tu n'es pas utile. Il y a des gens qui ne sont pas utiles. Tu as fait quoi pour Dieu?
qui fait quoi pour lui? Tu n'as jamais cotisé dans une église. Tu n'es jamais investi dans l'œuvre de Dieu. À quoi tu es utile? Oui, je viens toujours à l'église. Ce n'est pas suffisant pour Dieu. Où est, quelle est ton utilité? Il y a des gens qui ne parlent pas de cotisation, ils prennent les bras. Ils ne se sont pas dedans. Ça, en ce moment, ils n'ont pas dedans. Si c'est la voix, il va dépasser Jean-Louis, il va danser mieux que Jean-Louis, il va danser bébé. Mais quand on dit on va cotiser, non, lui il n'est pas dedans. Hein. Ça, sûrement, c'est pas moi. Hein. Non, ça, sûrement, c'est pas moi. Tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Dieu cherche des marques. Utile. Frère. L'œuvre de Dieu, c'est ta chose. Si tu ne te sens pas utile à l'œuvre de Dieu, Dieu ne te bénira jamais. Jamais il te bénira. Jamais il te visitera. Jamais. Pourquoi vous êtes insensible? Quand on parle des choses de Dieu, vous restez insensible à ça. Vous trouvez que non, ce n'est pas vous, ça ne vous concerne pas. Ça veut dire que tu n'as jamais porté Dieu dans ton cœur. Jamais tu as porté Dieu dans ton cœur. Quand on parle mal de ton frère, ta soeur qui dit tu aimes, tu dis rien. Et toi, la personne parle de mal, tu dis, il a même là, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis toi-même, tu as juste dit, mange la petite sel un peu dedans. Et puis tu fais une bonne sauce. Sauf vous, tu veux. Il y a des gens qui ne sont pas utiles. Ils sont comme des parasites. Commencez à fouiller vos Facebook. Malheureusement, les sites Facebook, souvent, c'est connerie. C'est connerie. Tu cliques, j'aime. Oh, c'est un sorcier. Oh, c'est un sorcier de là-bas. Demain après ça, il t'attaque. Malheureusement. C'est pour ça que les bails de la voie, tu maîtrises ça, c'est bon, les bazar. Tu sais que lui, là, s'il n'apparaît pas, je le vois. Facebook, tu ne peux pas. Amen. Commencez. Les gens ne sont pas utiles à vos vies là. Fais qu'il est sorti. Hey, nous sommes en fin d'année. Les gens ne sont plus utiles. Frère, c'est pas être méchant, c'est être prudent. C'est différent de la méchanceté. J'ai constaté que plus je suis avec toi, plus mes choses sont dehors. On parle bonne chose et maintenant ça dehors. Et puis toi, tu dis, mais je ne sais même pas pourquoi ils ont parlé de ça. Qui a dit, oh, c'est lui. Sorcier, va lui faire diable. Un bébé quand on a des sorcellerie. Quelqu'un vous fait du bien, vous faites de la méchanceté. Mais je ne sais pas quel cœur les gens ont. Tu peux manger, tu manges avec une personne et c'est toi qui le détruis. Enfant du diable, tu payeras ça. Commencez à fouiller dans votre vie. Le seul problème, c'est que tu fais confiance à tout le monde. Moi, j'ai été victime de ça. Depuis cela, ça m'a ouvert l'esprit. Maintenant, là, je ne fais plus confiance à tout le monde. Je suis là, je regarde. J'observe. Le jour où ils ont attaqué les États-Unis, ils ont mis sécurité en place. Ils ont commencé à fouiller tous les bagages. Quand tu vas aux États-Unis, tu veux aller dans un autre État, toi, tu te plais. Tu dis, mais à quoi? Vous voulez me mettre nu ou bien? C'est pas là. On te met nu pratiquement. Tu touches un mur, frère, on te fouille. Parce que le 11 septembre passé, on les a bombardés. Donc quand tu vis un événement, tu deviens prudent. La prudence n'est pas une méchanceté. Il faut faire attention. Parce que pour ne pas introduire n'importe qui, il y a des gens qui ont introduit leur vie dans ta vie et puis ça bouleverse. Malheureusement, on a vu des aider les gens, mais on a introduit n'importe qui dans nos vies. Jésus dit, c'est comme un filet que j'étais. Allô, il faut faire le cri. Faites attention. Faites ouvrir l'esprit. Moi, en 2019, tu n'es pas utile à ma vie au soir. On va se saluer. Je vais prier pour toi à la maison. Mais toi et moi, il y a des choses qu'on ne va pas partager ensemble. C'est pas un péché. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, moi je te vomis. Il n'a pas dit, il est carré à côté. Il dit, Dieu lui-même, il te vomit. Il dit, si ton bras gauche, c'est pour toi une occasion de chute, il faut couper ça. Vous voyez, les gens sont en train de détruire vos vies, vous les acceptez comme ça dans vos vies. Mais non, c'est que je vais changer. Lui, il ne va pas changer. Lui, il est changé là-bas. Il est ni diable. Depuis qu'il a entendu ça, qu'est-ce qui a changé? Rien avancé. Cherchez les marques. Il y a des gens qui viennent dans ta vie, ils te donnent des idées. Ils n'ont pas les moyens, mais construis ta vie. Ils t'apportent. C'est ce genre de personnes-là qui sont utiles à votre vie. Amen. Nous avons besoin des marques dans cette église. Nous avons besoin des gens qui sont utiles. Pas seulement comme les lui qui viennent s'asseoir, mais donnez votre utilité dans l'église. Le jour où Dieu
N'est-ce pas, lorsque le jour où Dieu sortira, n'est-ce pas, nous êtes utile à son œuvre, il vous ouvrira les écritures. Vous venez figurer, c'est comme un film. On a besoin d'être figurant. Vous participez au film. Mais vous n'êtes pas les dieux. On ne sait pas où on peut vous mettre. Un homme comme ça, Dieu ne le dit pas. Vous venez, vous mangez, prenez les choses de Dieu et vous partez. Ces personnes-là, Dieu ne le dit pas. Toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pas ce qu'il fera pour toi. Il va d'abord te dire, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu as acheté quoi à l'église? Tu as fait quoi dans une œuvre de Dieu? Tu as fait quoi un homme de Dieu? Tu as fait quoi? Quand on regarde, tu as fait quoi? Non, tu fais rien. Tu n'es pas utile. Quelque chose qui n'est pas utile, on déguise ça. Commencez à vous débarrasser des parasites, des choses bizarres. Nous sommes en train d'aller. Tous ceux qui ne sont pas utiles, dégagez. Qui dégage? Il y a des gens qui saluent, qui savent que lui n'était pas. Nous, quand on est grand, même, on a des problèmes. Tu le salues, mais tu sais que lui, là, il est bon, il est sûr dans son cœur. Mon frère, avec Amen, mais ça nous permet d'être prudents. Tu sais que lui, là, moi, pendant que je te salue, je cherche à savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu penses de moi? C'est pas un péché. Amen. Jésus dit, celui qui a mis la main après moi, c'est lui. Amen. Alors, lui, mais c'est qui? Il dit, mais vous avez dit, c'est un peu de ma bouche. C'est lui, hein? Donc, l'ennemi n'est pas loin. Les gens du monde des villes sont juste à côté. Ils sont là, ils sont même pas loin, juste à côté. C'est pas question des sentiments, c'est question de prudence. On est prudent parce qu'on a une destinée. On ne veut pas que quelqu'un vienne nous emmerder. Ils vont, c'est des emmerdements. C'est-à-dire qu'ils vont venir t'emmerder. Te mettre en arrière. Des emmerdements. On est tellement gentil, mais qu'on s'oublie. Et qu'on envoie des gens bizarres dans nos vies. Et malheureusement, ces personnes, regardez, il dit, Alexandre le forgeron m'a fait du mal. Malheureusement, il y a certaines personnes qu'on appelle qui sont Alexandre le forgeron. Vous savez ce que le forgeron fait? Il a un marteau. Il y a plein de forgerons qui n'ont pas marteau. Amen. Vous avez vu un forgeron qui n'a pas marteau? On va dire, monsieur, nous n'est pas forgeron, allez-y, cherchez un menuisier. Et vous allez chercher un plombier. Parce que quand tu vois mon forgeron, il entend les chicoter le fer. Si le fer pouvait parler, ces personnes-là, et en longueur de journée, ils sont en train de te martyriser. C'est-à-dire qu'eux, ils ne font que te donner des coups de marteau. Vous allez remarquer dans leur bouche, ils ne diront jamais de bonnes choses de vous. Alexandre le forgeron. Il dit qu'il a fait du mal. C'est des gens qui font toujours du mal. Des personnes hypocrites. Hypocrites. Un hypocrite, c'est lui qui fait semblant d'être bien, or il n'est pas. Papa, oh mon père, c'est diable. Tu vois, tu le salues, tu dis, Dieu te dit, lui, là, il n'est plus avec toi. Puis tu dis, ah, ok, merci de m'avoir averti. Donc, je vais savoir comment marcher. Demandez à Dieu le discernement. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Vous êtes amour. Mais bannissez les sentiments, les petits sentiments à côté là. Amen. Dieu est amour, il n'est pas sentimental. Quand il fait de l'œil, il sache ça. Je ne joue pas ça. C'est les sentiments des mamans. Non, Dieu il est amour. Être amour ne veut pas dire qu'on ne sache pas quelque chose. Être amour ne veut pas dire qu'on n'est pas prudent. Je suis prudent. Parce que c'est facile de gâter que de construire. Or lui, il vient. Un peu d'inattention, il gâte. Alexandre le forgeron. Il y a des gens qui sont comme Alexandre le forgeron dans vos vies, qui sont toujours prêts à vous donner des coups de marteau. Eux, ils sont là toujours pour donner des coups de marteau. Tout ce que vous allez attendre de leur bouche, ce n'est pas les bonnes choses à votre égard. Alexandre le forgeron. Vous savez, à l'église, c'est comme ça. Dans l'église, il peut y avoir des Alexandre le forgeron, des personnes hypocrites. Il dit des choses en face de vous. Vous ouvrez la bouche, il parle. Or, oh, en dehors, quand vous tournez dos. Le salon, la vie, moi je n'ai pas. Moi je suis là comme ça. Or il oublie tout ce que tu as fait pour lui. Tout ce que tu as fait pour lui. Malheureusement, c'est dans l'exemple là. C'est des personnes qui ont une courte mémoire. Elles sont ingrates. Très ingrates. Or la Bible dit que, il dit le Seigneur le répondra. Vous savez, quand vous faites du mal à quelqu'un qui vous a aidé une fois, vous payerez ça. Vous payerez ça un jour avec Dieu. Tôt ou tard, vous payerez ça gravement un matin sur ton lit d'hôpital. Dieu t'envoie le film. C'est comme un film d'horreur.
Pendant que tu avais respiré pour enfant, ton respiration a quitté. Respiration. Cherche à le nuire. Alexandre le forgeron. C'est le type de personnes qu'on voit dans la vie des gens et dans la vie de l'église. C'est pour cela qu'un homme de Dieu, il doit avoir le discernement. Il ne prend pas les gens par affinité. Non, lui là, c'est pas question de lui là. Est-ce qu'il fait mon affaire? Je n'ai pas vrai quelqu'un dans mon ministère qui ne veut pas se soumettre à moi. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Quand, remarquez toujours, un gouvernement d'union où on met des rebelles et des trucs, le gouvernement ne marche jamais. On appelle toujours celui qui a la tête d'accomplir. C'est ça que je ne suis même pas, je suis contre ce système-là. Alléluia. Comment un rebelle peut venir dans le gouvernement de quelqu'un? Alléluia. On l'appelle rebelle. Et puis lui, il est dans ton gouvernement. Vous êtes face à face. Il t'insulte. Alléluia. Ou bien? On dit, lui, il est quitté où? C'est un rebelle, on vous a posé le ministre de l'Intérieur. Il va t'aider. Il va gâter. Au nom de la réconciliation. Hé, 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 il y a un rebelle qui fait la réconciliation. Attends. C'est quelle réconciliation? Au nom de quoi? Où est le délire? Attends. Est-ce que vous l'avez amené cet esprit là? C'est un esprit. Tu vois, c'est pas parce qu'il sera dans le gouvernement qu'il va changer. C'est un esprit. Il a ça en lui. Et celui qui met le bâton dans le roue après est de lui. Ce sont les Alexandres, le forgeron. Donc, c'est des gens qui devront bannir de nos vies. La nouvelle année, là, il y a des gens qu'on doit vous devez faire sortir de votre vie. Amen. Mon frère, chacun est né seul. Les genoux, ils naissent, chacun naît à son heure. Mais ils ne viennent pas, pas le même minute. L'autre là vient, après l'autre là vient. Ouais, c'est comme ça. Tu as tué la maman ou bien? Chacun à son heure. Oui, la maman ou bien, tu as tué la maman. Comment deux enfants vont sortir en même temps? La maman va mourir. Et bien, rentrer dans un coma. Chacun à son heure. Même si son jumeau était dans le même vent, mais chacun à son heure. C'est pour dire chacun à sa destinée. Ma destinée n'est pas liée à toi. Si tu veux partir, il faut dégager. Tu ne me rends plus visite. Je m'en fous de ça. Amen. Dieu est moi. Amen. Si je reste seul, que Dieu est moi, il m'aidera dans le combat. Amen. Amen. Daniel n'a pas voulu se soumettre à la loi de Babylone. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Dieu était avec lui dans la fosse. Il a fermé la gueule des lions. Frère, si Dieu est avec toi, il fermera la gueule de tes détracteurs. Et dès que n'importe qui nous rend dans la vie, non, si j'étais moi, je serais seul. Oui, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul que mal accompagné. La nouvelle année là, amenez tous ceux qui sont nénés. Dégagez de votre vie. Jésus même sait que Satan, il va me trahir, il y a même lui. Judas va me trahir. Il n'a pas fait. Cette question va me répondre dans le ciel. Je lui ai demandé ça. Mais comment tu dis que c'est un fils, c'est un enfant de diable, et puis tu l'as laissé. C'est Jésus qui te laisse. Hein? Le juge sait que tu es mauvais, je ne marche plus avec toi. Si je dois intercéder sa distance. Vas-y, sorcellerie là. On ne sait pas à quel moment tu peux me manger. Peut-être qu'il n'est pas bien prié. Tu as déjà fait ton ouvergine ou ton beau-frère. Tu vas me manger. Donc sa distance, on parle. Tu es dans ton camp, moi je suis dans mon camp. Amen. Amen. Ah, c'est comme ça l'esprit des sorcellerie. Alléluia. Amen. Jésus l'a laissé jusqu'à il n'a pas tué. Il dit donnez-moi le monsieur, vous donnez la. Donnez-moi la vente. Il est là pour ça. Ça n'a pas changé. Les miracles n'ont pas changé le cœur de Jésus. Les miracles que Jésus faisait n'ont même pas changé le cœur de Jésus. La femme la casse va faire sourire, la femme prostituée, mais encore vendre ça. Il y a l'argent dedans. Lui, ouais, Jésus a l'argent. Et vous, ouais, on vient. Ils vous, ouais, quelqu'un, des marchandises, ils vont marchander. Ils vont prendre vos nouvelles pour avoir dans le camp de leur ennemi. Et c'est comme ça, c'est le dit. C'est le contraire. Ici, il faut éviter ça. Ici, ouais, ici en France. On est censé venir, vous allez ça deux fois, vous pouvez venir ici. À tout le monde, vous êtes tout pris, vous êtes ici. Vous êtes dangereux. Amen.
gâter femme des gens, gâter mari des gens, gâter mariage, gâter affaire des gens. C'est votre spécialité. Au lieu d'apprendre vos choses, les blancs ici, vous allez aller rouler un pilote, un avion, tout ça. Vous venez prendre son sourire à pour mettre à Paris. Et vous voulez être béni. Celui qui a tout la Bible en France ici a des problèmes. Faut l'avoir à la maison pour avoir. Hein? Ça va? C'est pas la paix là? Oui. Amen. Tu gagnes combien? C'est ton problème. Tu t'as posé une question, reste là. Reste, je te donne la réponse. Ça va aller derrière. À ton tableau de journée, qu'est-ce qui se passe? T'as acheté une nouvelle voiture. Quoi tu fais? Il m'a dit qu'il va entrer. C'est la vérité. C'est la vérité. À la fin, mon camarade, tu peux avoir ton numéro. Je vais dire demain, non, tu sais, ton mari, là, c'est mon ami. Michel et Kéfa. Ici, la gâté femme des gens, c'est la mairie. La pauvre business. Malheureusement, nous, après les camarades, ça n'est pas là. Ça veut problème. Problème. Tu finis de faire ton petit jossi, froid, avant de nous taper là. Pour finir, il rêve à ton point, quand il est parlé, va prier. Prier à ce que tu veux faire 20 heures du temps, 10 heures du fait. Amen. Quand il te confie à quelqu'un, on est malheur. Soit celui qui se confie en l'homme. Et la Bible dit Jésus ne se fiait pas aux paroles des hommes. Je dis, d'après Pierre dit à Jésus, Jésus, je vais te défendre. J'avais dit, arrête de moi, Satan. Toi, tu peux me défendre. Toi. On est Jésus, il ne se fiait pas. Ne vous fiez pas à l'apparence. Ne vous fiez pas la parole des gens. Non, il peut vous trahir. L'erreur, c'est que tu te fies trop. Tu crois trop facilement à ça. Quand quelqu'un t'aime, il démontre ça dans les actes. Il le démontre. Il le fera. Même s'il a commis l'erreur, il va se rattraper. Il fera les comptes sur la chose. Il va te démontrer ça. Il aura ton temps. Celui qui t'aime vraiment, il aura ton temps. Il fera un effort. Pour te protéger. Mais même bon. Puis tu es toujours là, mes amis, tous ceux qui m'insultent. Tu es toujours toi qui sais où ils sont partis. Tu es toi toujours qui regarde Facebook, de vous on m'insulte. Tu vous vois là. Tu vous vois dans les quartiers là. Et puis tu regardes quand la folie c'est fini. Toi qui regardes quand ça finit. Et puis toi, tu n'as pas d'habitation. Quand tu es une personne pas mal, tu ne joues même plus la vie. Je te sens concerné. Ne vous fiez pas la parole, ne vous fiez pas la parole des gens. Malheureusement, je pense que les gens sont comme toi. Et ils finissent par les détruire. Ne les fiez pas. Il est devant toi. Et c'est des personnes qui ont détruit dans nos vies. Et pendant des années, ils ont dit, mais mon Dieu, c'est ça avec les opportunités. Pourquoi ce monsieur est rentré dans ma vie? Pourquoi il est resté sur cette personne? Oh mon Dieu, pourquoi? Et tu regrettes. Tu t'en rends compte, mais tu as commis une bêtise. Mais c'est ça l'erreur. On commet des erreurs graves, nous rattrapons. C'est ça qui vient maintenant. Il faut d'abord commencer à régler tout ça. La nouvelle arrive. C'est pas tout le monde qui va rentrer dans le temps de Jésus. Hein? Amen. 2018, thank you. Ça va être discret. Ça va être le pouvoir. Thank you. 2019, c'est mon canal. On va aller manger. Amen. C'est quand 2018, il y a problème de maladie, il y a problème de temps, il faut partir 2018. On attend 2019 pour aller manger. On va attendre en bénédiction. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer. Il faut commencer à faire des tri. Il y a des gens qui doivent quand même vous écouter, c'est des choses qui concernent ta vie. Il y a des gens, il y a des secrets de ta vie, tu ne dois pas parler à d'autres personnes. La discrétion, c'est une puissance. Quand quelqu'un ne sait rien, il devrait la peur. Il y a des gens qui sont là, ça dégrade. Là, on veut lui parler. Je cherche. C'est qui est en ligne? Je vais poser un point. Je vais poser. Sorcière, ça. Puis la bonne nuit, je suis là, causant. C'est fini. Prends ça, tu te détruis. Le diable a la recherche des informations. Soyez la discrétion.
toi, ta femme, que ferme toi. Les personnes sûres qui sont dans ta vie, toi-même là, il y a le discernement. Commencez à avoir le discernement. Les personnes qui ne sont pas éduquées, les personnes, les bonnes personnes doivent rester. La bonne personne va regarder les autres. Amen. Est-ce qu'on va saisir? Amen. Les mauvaises personnes qui dégagent. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Les personnes qui ne sont pas éduquées, les gars de les personnes qui ont leur humilité, c'est ça qui sert bien. Mais les personnes veulent. Donc, quatre. On a vu des masses. Le nom de Démas, c'est quelqu'un qui n'est pas parti. Lui, il abandonne. Quand tu as un problème, il va partir. S'il appelle au grand bonjour, au correspondant, il ne peut pas être joint. C'est fini. Il a changé de numéro. C'est fini. Il est parti. Il a été blanc sur Facebook. Il met ça Viber est bloqué. Parce qu'il est parti. Et il fuit. C'est les gens, ils fuient. Ils deviennent froids. Lui va rester. C'est les gens, les personnes, ils sont toujours fidèles. La loyauté, la fidélité, ils sont là. Ils vont même t'appeler pour dire, avoir des belles nouvelles. Ça va? Courage, on est avec toi. Ça va aller? Tout ça. Amen. Mais les gens demandent, pourquoi Paul cherchait Marc à cause de son utilité? Dieu va vous chercher à cause de son utilité. C'est pas vous qui allez les chercher, c'est lui qui vous cherche. C'est Dieu qui va vous chercher à cause de votre utilité dans son œuvre. Il y a des gens qui sont forcément utiles. Vous faites avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Cherchez à être utile au Seigneur. Si vous êtes utile au Seigneur, il vous bénira. Amen. Si vous devenez utile au Seigneur, il vous bénira. Le jour où Dieu, Jésus dit, donne-moi la barque. Ils vont prêter la barque à Jésus. Et il a fait les prêcher. Il a dit à Pierre, j'aime le filet. Il a dit, Jésus, mon maître, Seigneur, tu ne connais pas l'eau. Jésus dit, mais oui. Je dis, mais il ne connaît pas. Il dit, mais quand je regarde, parce qu'il regarde, il est jeté le filet ici, il n'y a pas de façon. Mais comme la barque a été d'une utilité à Jésus, en retour, Jésus veut la bénir. Et alors, Pierre dit, suis ta parole. Quand il a jeté, il a une façon. Le jour où vous devenez utile à l'œuvre de Dieu, Dieu va commencer à vous protéger. Amen. Il ne protège pas quelque chose d'important. Le Seigneur vous laisse, le diable vous mange. Parce qu'il voit rien. Il ne fait même pas ta vie. Il ne fait pas pour l'utilisation de l'église. Il n'a jamais payé une chaise. Il ne prie pas pour l'église. Il dit à Zadi, va faire manger. Vous mangez la sauce. Vous connaissez la sauce chocon. Voilà, la sauce chocon. Vous mangez le chocon. Avec banane, maintenant qu'on appelle le nouveau soupe. Mange-le, il y a ça. Mange-le, ça. Tu viens dans l'église, on ne sait même pas où tu es. On te voit une fois les dimanches, ou bien peut-être chaque fois, on ne sait même pas. Le frère, tu étais la dernière fois, non, mais je viens. Tu n'es pas dans la chorale, tu n'es pas dans la famille, tu es dans quelle utilité? Et c'est toi qui te plaît, mais Dieu ne va pas te sécuriser. Parce que tu n'es pas utile. Ni à Dieu. Le jour où tu deviendras utile à Dieu, Dieu va continuer de te protéger. Vous savez, je vous dis une chose. Dieu s'en fout de vos plaintes. Celui qui va plus se plaindre, c'est Dieu. Parce que si on ouvre le cerveau de chacun, il y a des gens qui sont à l'église, qui sont en train de pécher. Ils sont dans la maison de Dieu, là. Leur pensée ailleurs, en train de pécher. Comment vous allez? Amen. Et les gens, leur pensée, ça y est. Ils sont là. Jérémie, verset. Oh, lui, quand elle va finir, elle est trompée, son mari, sa femme, il est dans sa tête. Oh, il a l'église dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu lui-même, vos plaintes, ça ne lui dit rien. C'est le jour où il te trouvera utile à son œuvre qu'il te donnera. Parce qu'il n'est pas intelligent. Parce que tu penses qu'il est intelligent. C'est pour ça que Dieu, c'est lui qui donne l'intelligence. Vous voulez tout recevoir de Dieu. Dieu dans ma mère, Dieu dans ma enfant, Dieu dans ma papier, Dieu dans ma voiture, Dieu dans ma maison. Ok. Mais tu dois avoir voulu. Ah, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Ah, lui, il me donne l'argent, tu allais te prostituer, c'est ça. Tu allais chercher femme là-bas, dans la rue. Tu allais dans l'argent, tu allais boire du. Tu allais boire, belle, quelle douche. Tu allais boire ça.
Mais là, c'est à l'école dure, là. Tu vois les gens qui pensent à l'heure, on vient jouer dans le pied comme ça, dès qu'il fait jouer dans le pied. Koutoukou, il est trop terrible. Koutoukou, il est trop terrible. Belé. J'ai envoyé un plombier chez moi, à Abidjan. J'ai dit, où est le plombier? Je vais le payer. On dit, il est sorti. Il est revenu, il parle à moi, il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, il allait prendre jaune la mer. Il dit, mais c'est quoi jaune la mer? Ah, il dit, c'est Koutoukou. Il dit, sort. Tiens, si c'est Koutoukou, il doit t'inspirer pour venir de ma plomberie, allez, dégage. C'est Koutoukou, on a le Saint-Esprit. Quand c'est Koutoukou, tu bois. Et puis ça t'inspire. Allez, dégage. Que Dieu nous aide. Amen. Il faut utile à l'œuvre de Dieu. Amen, Christophe. Quelle est ton utilité? Quelle est ton utilité? Ne sois pas comme Alexandre le forgeron. Toujours en train de martyriser les gens. Les gens, eux, leur ministère, c'est d'attaquer les gens, leur ministère, c'est de détruire la vie des gens, leur ministère. Mais ceux là, ils finiront tôt ou tard par payer. Tout se paye. Ça, c'est clair. Sur cette terre, ce qui est sûr, tout se paye ici.